Unité, 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 le PDCIRDA toujours debout. Le parti de Félix Houphouët-Boigny et d'Henri Conan-Bédier, toujours conquérant, présente fière allure. Le PDCIRDA à la croisée des chemins démontre sa vitalité. Le 17e bureau politique du PDCIRDA s'est tenu ce mardi 19 décembre 2023 à la maison du parti à Cocody. Au terme de cette réunion politique, un communiqué final, lu par Alain Cocotré, membre du bureau politique du PDCIRDA, a sanctionné la rencontre. Ce jour, 19 décembre 2023, sur convocation et sous la présidence du professeur Copli Boni-Philippe, président du PDCIRDA, le bureau politique, élargi aux membres du comité des sages, a tenu sa 17e session à la maison du PDCIRDA de Cocody de 16h. 45 à 20 heures. L'ordre du jour adopté comporte les points suivants. 1. Information. 2. 8e congrès extraordinaire. Et 3. Divers. Abordant le point des informations, le président du comité électoral, le vice-président Jean-Marie Cacou-Gervais, a fait un bref rapport des travaux du comité. Il a souligné la rigueur, la transparence et l'équité qui ont présidé au traitement des dossiers de candidature à l'élection du président du parti. Il a salué la médiation entreprise par le Collège de conciliation et de recherche de consensus. Il a fait noter qu'au terme des travaux, aucune candidature n'a été rejetée puisqu'il appartient au Congrès de statuer sur l'éligibilité des candidats. Il a insisté sur la confidentialité qui a entouré le traitement des dossiers en raison du caractère personnel de certaines pièces. À la suite du président du comité électoral, le président du comité d'organisation, M. Emmanuel Kouassi-Lenoir, a fait l'économie des travaux de mise en place des installations en vue d'offrir aux congressistes un cadre adéquat d'accueil. Il a regretté que tous les efforts et moyens consentis aient été entravés par l'irruption des forces de l'ordre agissant sur instruction de l'autorité judiciaire. Il a conclu en disant que les préparatifs sont terminés et que le congrès peut se tenir à tout moment. Pour finir la série des informations, le superviseur de l'organisation, le vice-président Georges-Philippe Ezalé, a, en sa qualité de secrétaire de séance du comité de supervision, donner un bref aperçu de l'ensemble des travaux, notamment ceux du comité d'établissement et d'homologation de la liste électorale. La rigueur qui a présidé à l'élaboration de ce collège électoral a permis au parti de se prémunir contre les déclarations mensongères et les tentatives de liquidation de notre parti. Abordant le deuxième point de l'ordre du jour, le président du parti a demandé une minute de silence à la mémoire du ministre Ezan Akele Joseph, vice-président du PDCIRDA et président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique du parti,
décédé le 1er décembre 2023 à Paris. Dans son discours d'orientation, le président a félicité tous les comités chargés de l'organisation du 8e congrès extraordinaire pour la qualité de leur engagement et de leurs travaux. Après s'être félicité de la retenue et du sens des responsabilités des congressistes face au déploiement massif des forces de l'ordre, il a exhorté les militants et les militantes à la résilience et à imiter les combattants de premières heures de notre parti. Pour maintenir le niveau de mobilisation enregistré à l'occasion du 8e congrès extraordinaire, le président a proposé les mesures suivantes. La tenue des assises du 8e congrès extraordinaire électif le vendredi 22 décembre 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'examen de la question de la levée des sanctions disciplinaires. L'opportunité de la reprise des activités du Conseil de discipline. Au terme des échanges, le bureau politique a apprécié avec enthousiasme la proposition de la tenue du 8e congrès extraordinaire au lieu et à la date indiquée par le président du parti. Le bureau politique a de même donné son accord sur les deux derniers points. Au cours des échanges, le président a donné la possibilité à tous les candidats de s'exprimer. Ils ont tous affirmé leur volonté de voir le Congrès se tenir dans un climat apaisé. Pour conclure, il faut noter que 3 candidats ont confirmé le retrait de leur candidature devant le bureau politique. Il s'agit de 1. Le professeur Maurice Kakoudjikaoué. 2. Le ministre Koumouin Kofi Moïse. Et 3. Monsieur Noël Akossi Bendjo. Le bureau politique a clos ses travaux sur une note de satisfaction générale et donne rendez-vous à tous les congressistes à Yamoussoukro le vendredi 22 décembre 2023 à 10h. Fait à Abidjan le 19 décembre 2023, le bureau politique.